Le procès de Ghislaine Maxwell s'est ouvert en novembre 2021, et il a été le théâtre de nombreuses révélations. Parmi ces dernières, une photo qui a beaucoup fait parler d'elle. On sait déjà que la famille royale britannique est liée, via le prince Andrew, au scandale qui a touché Jeffrey Epstein, accusé de pédophilie, et sa compagne Ghislaine Maxwell, accusée de lui avoir apporté des jeunes filles. Mais le procès de l'ancienne jet-setteuse a également permis à une photo compromettante de sortir. Comme l'explique le Mirror, il s'agit d'une photo de Ghislaine Maxwell et de Jeffrey Epstein ensemble, et complètement détendue, devant une cabine en bois à Balmoral, la résidence estivale de la reine Elisabeth II qui se trouve en Écosse. La date de prise du cliché n'est pas connue, mais selon le Mirror, le couple Maxwell et Epstein aurait été invité à Balmoral par le prince Andrew en 1999. Une photo qui ne va pas arranger les affaires de la famille royale, qui a déjà pris des mesures pour éviter d'être encore davantage éclaboussée par l'affaire Epstein et son possible lien avec le prince Andrew. Ce dernier a en effet été accusé par Virginia Giuffre d'avoir, avec la complicité de Jeffrey Epstein, abusé d'elle entre les années 2000 et 2002. La jeune femme soutient que le prince Andrew a été l'un des hommes puissants à qui elle a été remise dans un but sexuel. Il est également la cible d'autres plaintes qu'il continue de nier en bloc. Si Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule en 2019 après avoir été accusé de pédophilie et d'agression sexuelle, Ghislaine Maxwell quant à elle est en plein procès pour 6 chefs d'accusation différents. Le prince Andrew a-t-il participé au scandale Epstein? L'ex-compagne de Jeffrey Epstein est accusée d'avoir été sa rabatteuse entre 1994 et 2004, en charge d'aller chercher des jeunes filles dans les quartiers pauvres, de gagner leur confiance et de les ramener au domicile d'Epstein pour qu'ils les violent. Elle leur promettait des milliers de dollars contre des services sexuels. Certaines de ces femmes auraient par ailleurs été prêtées aux proches du businessman, proches dont pourrait avoir fait partie le prince Andrew. Le procès de Ghislaine Maxwell a également permis à plusieurs victimes de prendre la parole pour témoigner contre l'accusé, qui a plaidé non coupable à la plupart de ses chefs d'accusation. Claudine Vigée.